À la virgule près, hein. Autrement l'auteur il me fait un sac. Tu peux les détacher. Bon, comment elle est? François, complote pas dans mon dos, ça m'énerve, franchement. Excusez-moi, Roger. Prochain plan? Il y a un problème pour le prochain plan. C'est-à-dire? Jenny Love, il se prend vraiment pour Zorro, là. Non. Si, il veut faire sa cascade lui-même. Non. Si, si, si. Les enfants, à l'habillage. Ne voulait pas se faire doubler. Il a raison, il peut quand même grimper à une corde. On dit jamais le mot corde ou ficelle sur un plateau de tournage. Sinon, tu payes l'apéro à toute l'équipe. Ah bon, qu'est-ce qu'on dit alors? Bah, tu dis un boot, une drisse ou un film même. Hé, hey, si Jenny Love se plante, t'imagines? Plus de Zorro, plus rien, il n'y a plus qu'à arrêter le tournage. Jean Marais, Bebel, Burt Lancaster, Steve McQueen, ils ont tous fait leur cascade eux-mêmes. Bah, alors pourquoi pas lui, hein? Ouais, mais en tout cas, si Sam crache le double, c'en est fini pour lui, il arrêtera de tourner. Oh, les acteurs, les acteurs! Faites jamais ce métier, hein. De toute façon, c'est pas un métier. Oh, c'est pas mal, là. Ça serait mieux sans les cartons, hein. Faut enlever les cartons. Je suis sûr. Oui, non, il y a des assurances, là. Dites pas Destroy, c'est du double ou du simple? De quoi il parle, là? Le gaufrage des cartons, c'est du simple. C'est du simple. Dans ce cas-là, ça change tout. Je vais t'élexer au bureau. Bon, on l'a fait quand même, les enfants. Passez derrière le travelling, tu te mets en place, appelle Johnny. Johnny? Vous êtes prêt, Johnny? Johnny? Oui, Roger. Bon, on va la tourner, ok? Attention. Et on fait le silence? Bon, la maquilleuse, là, s'il vous plaît. Mets-toi en place, Johnny, mets-toi en place. Comme vous voulez, les enfants. Bon, alors, attention. Moteur? C'est le tour. Annonce. 43, première. Allez-y, Johnny. Ça va, Ah, le travelling! Pas mal! On joue là, tu vois? Hein? On peut peut-être la refaire alors si ça va. Non, 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 ça a l'air sérieux. Hein. Va chercher l'ambulance, va chercher, faut chercher l'ambulance. Va chercher le brancard! Va chercher le brancard! Approche pas, bouge pas, bouge pas! Les enfants, s'il vous plaît! Hein? Voyez bien. Ça va? Emmenez-le à l'hôpital. Bon, je l'accompagne. Hein. Merci. Je l'accompagne. Attention. Allez. Attention à vous, là. Allez, vas-y, allez. Allez, emmenez-le.
Oh, le pauvre. Il aurait mieux fait de se faire doubler, hein. Ça, je veux cascadeur, c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais? Regarde pourquoi le bout s'est cassé. Parce qu'il est trop vieux, c'est bonne blague. Mais non, regarde, il est tout neuf et il a été coupé neuf. Et alors? Il y a peut-être eu un sabotage. Si le fil était déjà coupé, il aurait dû céder dès que Johnny a commencé à grimper. Exact. Je comprends plus rien, là. Si tu comprends plus rien, c'est qu'il y a un mystère. Un mystère? J'ai bien entendu le mot mystère. Alors voyez l'enquête qu'elle est pour nous. Ah, les affaires reprennent. Je commençais à me rouiller, moi. De toute façon, on est planté avec cette histoire. Non, mais t'es mine pas. J'ai regardé ton travail, ça va. Et puis, de toute façon, on va regarder les ruches, on verra bien. Mais vous pourriez pas aller vous installer ailleurs pour regarder vos ruches? Non, on dit pas ruche, on dit roche. Tu pourrais pas aller peindre dehors, tu profiterais de la lumière du jour. J'ai chez moi ici. Tu t'occupes de lui, là, parce que... Votre père nous a loué la maison, la propriété, tout pour toute la durée du tournage, alors je suis désolé. Bah évidemment, vous êtes avec eux, vous, hein. Belle mentalité. Eh oh, hein. Nous, on n'y est pour rien, c'est ton père, hein. De toute façon, tu ferais mieux d'aller réviser tes examens. De quoi je me mêle, hein. Je croyais que vous étiez en vacances, d'abord. On est en vacances. De toute façon, vous comprenez rien à l'art. Charge-moi la dernière prise et je voudrais voir ce que je peux utiliser. Oh, bah, barre la tronche, hein. Je m'appelle Paul. P-A-U-L. Chut, taisez-vous, les enfants, au travail, là. Bon, ça, c'est bon, François, ce coup. Et charge-moi la prise de Johnny qui monte à la corde. Ok. D'accord. Ça, c'est très bien. C'est bon? Ouais. Je peux l'utiliser jusqu'au moment où le fil cède. Ouais. Il t'aura pas arrivé dans la chambre. Non. Et quel faire en subjectif? Mais t'as aussi les gros plans de la deuxième caméra. Hein. Tiens, charge-les, voir. Non, Roger. Ouais. Il y a Johnny au téléphone en bas. Pendant que je te tiens, tu les veux noir ou gris, les gants, pour le sergent Garcia? T'énerve pas. Prends, rouge, plutôt rouge. Mais non, mais rouge, ça passe pas en vidéo, tu sais bien. T'es pas en train de faire du 35, là, hein? Tu fais pas du film. On fait de la télévision. Tu sais très bien que rouge, ça passe pas. Bah, supprime les gants, alors. Qu'est-ce que tu fais, ce soir? Bon. T'as vu? Elle a encore changé ses badges, l'accessoiriste. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On va voir les gros plans. Peut-être qu'on ne dira rien. T'as vu ce trou? Oui, alors? Et alors, je suis sûre que c'est un impact de balle. Tu veux dire que quelqu'un a tiré sur le fil? Ouais. Attends, t'as pas un crayon ou quelque chose? C'est drôle, toi. On a de la chance, il y a moyen. Génial. Ouais, t'as vu, c'est là. Viens avec moi. Regarde, c'est là. Attends, ça fait à peu près 35 degrés dans cette direction. S'il y avait un tireur, il devait se trouver par là-bas. Eh ben, Sherlock Holmes doit se retourner dans sa tombe. Hein. Bon, on va dire à Fred et Lola d'aller voir près de l'arbre déraciné. Il doit y avoir des indices. Et puis tu reviens après, ok? Ok. T'as trouvé quelque chose? Rien. Ma brosse à dents! Toi qui l'as mise là? Une douille! Une quoi? Ça. Elle a été tirée il n'y a pas longtemps, ça sent encore la poudre. Qui aurait pu tirer? Ça peut peut-être être quelqu'un du tournage. Oh non, c'est trop gros. En tout cas, celui qui a tiré n'a pas cherché à tuer. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah parce que quelqu'un qui est capable d'atteindre un fil est d'autant plus capable d'atteindre une tête de Johnny Love. Ouais, ça se tient. Évidemment. Non, mais on aura entendu le bruit de la détonation. Pas forcément. Les silencieux, ça sert à quoi? Je me demande si le cinéma serait pas en train de te monter à la tête. Bon, tu viens. Faut aller dire tout ça à Monsieur Roger Destroy. Qu'est-ce que c'est? C'est la robe de la fiancée de Zorro. D'ailleurs, il faudrait que j'aille la repasser. Au revoir. Au revoir. Monsieur Destroy est pas là? Non.
Et vous avez trouvé quelque chose? Ouais, ça. Il n'y a pas la clé. C'est fermé. Mais c'est l'accessoire, est-ce qu'il a? Je suis sûre qu'elle la cache quelque part dans cette pièce, mais où? Il est sûrement dans le blouson. Et voilà le travail. C'est le bon calibre. Et ça sent la poudre. Il n'y a pas de doute. C'est avec ce fusil qu'on a tiré. Or là, c'est sûr, c'est quelqu'un du tournage. Je dirais même plus, c'est quelqu'un qui n'était pas là lors de la prise de vue. Et qui avait intérêt à ce que Johnny Love soit blessé. Ouais. Je sens qu'on brûle. Léo! Léo, vous déjantez? Mais pourquoi? Tu sais très bien qu'il ne peut pas supporter ce tournage, t'as bien vu. Il dit qu'il ne peut pas réviser ses examens, mais en fait, c'est parce que Monsieur Destroy lui a pas filé drôle. Mais il louperait un hippopotame dans une baignoire. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu te rappelles pas la fête du village? Il a voulu me gagner une poupée. Et au lieu de tirer dans la pipe, il a crevé l'œil de la poupée. Même qu'il a dû la repayer. Ben justement, c'est peut-être en visant la tête de Johnny qu'il a atteint le fil. Mort, tu vois Léo avec ça, il se déboîterait l'épaule. Moi, j'ai ma petite idée. Et on peut savoir? L'accessoiriste. Pourquoi? 1. Elle n'était pas sur le plateau pendant la prise. 2. Elle a la clé de la caisse d'armes. Et 3. Elle est amoureuse de Sam Crash. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je les ai vus faire des papous osés. Ouais, bah en tout cas, c'est plutôt mince comme preuve. Hein. Je comprends rien. Certainement une histoire d'amour. Ça peut tuer l'amour. Allez, viens avec moi. Tu refermes la caisse et tu remets la clé dans sa poche surtout. Hein. Ok. Ça va? Bah, on essaye de pas trop s'ennuyer entre les prises. C'est long, hein, le tournage. Et là, c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas quoi faire, moi, j'ai quelque chose pour vous. Ah ouais, quoi? Ah, bah, venez, je vais vous montrer. Et voilà. Ah. Ah, c'est génial! Ce qui est moins génial, c'est qu'il faut avoir fini de les peindre pour demain. Parce que la scène de l'éboulement a été avancée. Ah bon? Bah oui, tu sais bien, à cause de l'accident de Johnny. On va tourner toutes les scènes sans lui. On va faire les cascades de Sam Crash. Et si Johnny peut pas reprendre le tournage, on va arrêter le film? Mais non. Bah alors, on va couper le personnage de Zorro? Non. Il est question que ce soit Sam Crash qui reprenne le rôle. Mais ça va vous taiser, hein. Pas moi, personne. C'est dans ce métier, c'est... rien n'est sûr. C'est vrai que Sam ressemble vachement à Johnny. Ouais, c'est son drame. Il n'a jamais pu faire une carrière à cause de ça. Il est condamné à être la doublure de Johnny. D'accord, mais si Sam Crash finit le film à la place de Johnny, il deviendra connu, non? Bah, tu parles. Jamais le producteur voudra le mettre au générique. Mais c'est dégueulasse. Mais ouais. Alors en plus, quand Johnny veut faire les cascades à sa place, je ne dis pas les boules que ça lui met. Marie! Accessoire sur le plateau, s'il vous plaît. Tiens, tu finis? Ouais. D'accord. Je suis pas méchante, mais entre nous, moi, je trouve qu'il y a une justice dans l'accident de Johnny. Dépêche, Marie. Oui. Alors, ton intuition féminine? Moi, j'en sais rien. Faudrait faire un test. Lequel? À la carabine. Mais avant, faudrait terminer tout ça. Sur le Destroy, il m'a encore fait pleurer. Je peux plus le supporter. Mais laisse tomber, il est agressif parce qu'il y a des problèmes avec sa nana. Mais je suis sûre qu'il m'en veut. Mademoiselle, oui. La plage, c'est par là ou par là? J'arrive pas à trouver sur ma carte. La plage, c'est par là, mais vous voyez bien que vous êtes sur un tournage ici, non? On cherche la plage. Bon, allez. Oui. Mademoiselle, il n'y a pas de camping par ici. Le camping, c'est par là, mais vous voyez pas que vous êtes sur un tournage ici. Oui, tournage. Oh, vous avez tout fini? Oh, vous êtes des rapides, vous. Vous voulez pas faire un stage? Je vous engage. Ben, c'est-à-dire, on va faire un petit carton en attendant. C'est dangereux, ça. Vous êtes avec nous. Et puis on est des bons. Hein. Bon, allez, c'était pas ce que vous venez.
Alors, voilà. Tu sais, ça arrive souvent qu'on change de plan de travail. Mais c'est quoi exactement ce plan de travail? Bah, c'est l'emploi du temps de la journée. Ah bon? Bon, allez, salut, je vais sur le plateau. Salut! Alors? Voilà. Ça, c'est mon trou, et ça, c'est celui de là. Et devinez où est celui de l'accessoiriste? Bah, y a plus de trou. Bah ouais, elle a rentré un dinosaure dans un tunnel. Oh non, faut recommencer toute l'enquête à zéro? Non, notre raisonnement tient toujours. Si c'est pas elle qui a tiré, ça peut être que Sam Crash. Sam Crash? Explique-leur, Fred. Eh bien, Johnny Love, lui met les boules. C'est cassé? Ah non, moi j'étais dans ma loge, je suis pas de me relaxer. Toujours sur l'accès avant de faire une cascade. Quelle cascade? Vous saviez bien que c'était Junior qui allait la faire. Vous saviez qu'il allait tomber. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, Pierre? Allez voir. S'il vous plaît, vous voulez bien les gribouiller ailleurs? Bah, c'est vous qui m'avez demandé de m'installer dehors. Vous voyez ça là? Bah évidemment que je le vois. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Mais vous me prenez pour un débile? Alors, quand vous voyez la caméra, c'est que vous êtes dans le champ, il faut partir. Quand vous ne voyez plus la caméra, vous êtes hors du champ, vous êtes arrivé. Allez-y, allez. Là, c'est pas le cinéma, c'est la peinture, elle bouge pas. Bon. Oh, c'est toi? Tu m'as fait peur, hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche des preuves, hein. Pour accuser les gens, il en faut. Et qu'est-ce qu'elle espère trouver là-dedans? Bah ça! Qu'est-ce que c'est? Bah, une carte de tir. Et alors? Zorro est arrivé. Et alors, Sam Crash a été champion de Corse en 1988. C'est un tireur d'élite. Ah! Ah bah cette fois, on chauffe, hein? Seulement, on n'a pas de preuves, hein. Remarque, si on l'accuse, il faudra voir sa réaction. Alors comme ça, on tire sur ses petits copains. C'est à moi que tu parles? C'est pas gentil, il s'est fait mal, très mal. Il aurait même pu se tuer. Ça, les gosses, à quoi vous jouez là? Au Cluedo? On joue pas. On vous accuse d'avoir tiré sur le fil avec ce fusil. Le cinéma, ça vous monte à la tête, les enfants. Hein? Faut des preuves pour accuser des gens. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, jouer au détective un peu plus loin. Moi, faut que je travaille. Allez, hop, balai. Vous n'allez pas dire que je vous dérange, là? Bah, c'est-à-dire que... Un peu, quand même. On a des choses à se dire. On est sur un gros coup, là. Allez, Van Gogh, sois sympa. Je vais vraiment finir par me la couper, cette oreille. Hein. Oh. Et c'est comme ça qu'on contrarie une vocation.
Bon. Parlons peu, parlons bien. Si Sam Crash sait pas les monter, ça veut pas dire qu'il est innocent, mais ça veut peut-être dire qu'il est fort. Moi, je suis tellement sûre que c'est lui qui a tiré que je pourrais carrément dire que je l'ai vu faire. Ce sera un faux témoignage, mais qui servira à la justice. On n'a pas le droit de faire ça, il faut qu'il avoue. Mais comment faire? Si on me demande mon avis, j'ai une idée. Vas-y, mon petit, dis-nous ton idée. On n'a que lui faire peur. Mais encore? On fait une reconstitution. Une reconstitution? Tu peux nous expliquer ça? C'est simple. On prend le fusil pour charger, bien sûr. On se met à la même place que le tireur pendant la prise et on fait peur à Sam Crash quand il s'élancera. Il y a une chance pour qu'il ait une réaction, non? C'est pas un peu tiré par les oreilles? Vous avez mieux. Sam Crash sur le plateau, va tourner. Dépêchez-vous, tout le monde en place. Allez, allez. Frédéric, qu'est-ce que tu fous encore? Bon, on va la répéter puis on va la tourner, d'accord? Bon, est-ce que ça va pour la moustache? C'est bon, on dirait Johnny Love. Bon, y a pas de problème, Sam, hein? Non, non, avec la moustache. Ok, bon, on va la tourner alors. Je te résume. Tu comptes faire descendre les enfants par le bout. Mais entre-temps, quelqu'un l'a enlevé. Alors tu sautes sur les enfants et tu cours chercher un autre bout, d'accord? Ok. Bon, on est prêt, on va la tourner. D'accord. Prêt. Ouais. Prêt. À toi, Sam, vas-y. Ahmed, je suis découvert. Tu n'en porteras pas au paradis, Sam Crash. Tu as la parole du vengeur masqué. Sale gosse. Fuyons. Sam, c'était absolument magnifique. On va en faire une autre. C'est bonne celle-là, non? Sam, reviens. Il ne reviendra pas. Quoi? C'est lui qui a tiré sur leur bout. Il ne reviendra pas. Sa fuite est un aveu. Comment je vais finir mon film, moi? C'est cette histoire. T'en as plus besoin de Sam Crash? Non. Si tu doubles pas la place de la chute, il a fini comme cascadeur. Ah ouais? Il a fini. Mais il n'y a qu'à le laisser courir, alors. Ouais. Remarque, il n'y a plus personne pour faire Zorro. Non. Tu n'avais pas pensé à ça? Non, bah on peut pas penser à tout, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'à courir. Allez, on court. Reviens, Sam! Cinéma, entre nous c'est vrai. Et jamais chacun pour soi.